Nicole Chirpas, directrice de l'AID CFA Danse. Nous sommes en ce moment au Théâtre du Gymnase, où vous allez pouvoir assister au spectacle Puzzle, qui est un spectacle en résidence dans ce théâtre, grâce à M. Jacques Bertin, qui nous accueille chaque semaine, afin que nos jeunes apprentis puissent prendre conscience de la scène. Bonsoir, je suis Julien Guérin, chorégraphe invité pour Puzzle. Voilà. Eh bien, tout simplement, ça part de l'objet de Jack in the Box, le jouet à peu près du Moyen-Âge anglo-saxon, le petit bonhomme qui sort de sa boîte. Et donc, pour cela, j'ai créé cette pièce à Lyon, au Conservatoire supérieur de Lyon. Et j'ai donc repris la pièce et remodelée pour un temps de 10 minutes dans le cadre du spectacle Puzzle. Et donc, cet objet Jack in the Box en anglais, eh bien, cet objet, je l'ai dédoublé avec la poupée, la version féminine, donc la poupée tutu. Et en fait, pour articuler ce jouet, qui vont avoir un peu de magie dans cette pièce, eh bien, j'ai articulé la pièce autour de Vivaldi, le compositeur italien, l'accès de musique baroque. Et voilà, et donc dans cette pièce vont se dérouler la magie des objets, des jouets, voilà, tout simplement, avec un esprit baroque. C'est pour ça que cette pièce s'appelle Baroque Box. Alors, le spectacle Puzzle, c'est une succession de petites pièces qui durent entre 5 et 8 minutes et dans différents styles, afin que ces jeunes justement puissent exprimer sur scène et prendre conscience de la scène à travers toutes les disciplines qui leur sont enseignées chaque jour au CFA. Bah, suite à l'invitation de Nicole Chirpas, voilà, elle avait vu ce spectacle en vidéo et elle avait l'envie de refaire cette pièce. Donc je l'ai fait avec les danseurs d'ici et je l'ai remodelé pour qu'elle soit configurée au modèle de Puzzle, le format du spectacle du jeune ballet européen. Et pourquoi cette pièce? Parce que déjà, la musique Vivaldi, je suis un féru d'Antonio Vivaldi, ce compositeur. J'ai déjà fait La Princesse de Clèves, j'ai fait d'autres ballets, Le Temps du Tendre aussi, à Beaulieu de Monte Carlo, La Princesse de Clèves à l'Opéra de Metz sur Vivaldi. Vivaldi est un compositeur que j'affectionne. Et pourquoi Jack in the Box? Parce que c'est un jouet qui m'a toujours fasciné. Et donc du coup, je trouvais ça marrant sur des jeunes interprètes, des jeunes artistes, des jeunes pré-pros, de pouvoir m'amuser autour de ce thème de Jack in the Box. Je vais aller faire une pièce aux États-Unis au Carolina Ballet et je vais aussi également remonter. Je vais faire une création avec le CRR de Nantes, le Conservatoire de Nantes, et remonter cette pièce aussi pour le CRR de Boulogne. Voilà, donc je vais faire une pièce aux États-Unis et la saison prochaine, la fin de la saison, je vais faire La Belle et la Bête pour l'Opéra de Metz. Un beau spectacle, un beau mélange de. Un peu de classique, un peu de contemporain, un peu de moderne. Les différentes pièces qu'on a vues, j'ai cru reconnaître peut-être Ingrid Florin, Les Indomptés, un duo. Je pense que ça a permis de mettre en valeur des jeunes danseurs qui ont beaucoup de talent. Transporter avec les mouvements, la musique, les chorégraphies, c'était tout simplement magnifique. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très beau moment. C'était très éclectique, il y avait plein de styles variés et ça permettait de mettre en valeur plein de qualités différentes chez chacun. J'ai notamment beaucoup aimé la chorégraphie de Cellula de Anthony Desprats. Et voilà, j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de les revoir. J'en parle avec émotion parce que je suis épaté, je suis surpris. Et puis,
On a eu affaire à toute une session de tableaux avec des émotions, des couleurs, de la féerie. Ça s'enchaîne les uns après les autres. Et je pense que j'ai pas eu le temps de cligner les yeux de tout le spectacle. Voilà, donc merci, bravo. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant! Au suivant! Eh bien, surtout l'abnégation, la rigueur, la constance dans la régularité dans le travail, l'écoute, l'humilité, surtout l'humilité, c'est important. Toujours rester humble face à ses collègues ou les gens avec qui vous avez à travailler, les chorégraphes, les professeurs. Et puis toujours être dans un esprit positif, toujours. Voilà. Et je pense que les énergies circulent et on apprend toujours des autres. Il faut toujours regarder... Voilà, il faut toujours s'inspirer de ses collègues, des autres danseurs, observer les autres danses, les autres styles et se nourrir de tout ce qu'on peut voir artistiquement, etc. Donc toujours rester positif pour... La carrière d'un danseur est courte, mais il faut évoluer et voilà. Donc il faut toujours chercher. Rien n'est jamais acquis. Alors, ce que je dirais aux jeunes, c'est que les débouchés existent pour des jeunes correctement formés. Il est donc indispensable de suivre une formation pluridisciplinaire qui élargit les débouchés et qui donne à tous ces jeunes la possibilité de vivre de leur métier.